c'est le fait de réussir, alors je dirais à nouveau, à fortement décarboner le transport maritime, puisqu'il ne faut pas oublier qu'avant, les vieux gréements, qui étaient des navires à voile en capacité de porter de la charge, n'avaient pas de moteur. Donc on réinitialise un petit peu tout ça et qu'on repart sur un transport maritime plus vertueux. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important, tous les enjeux environnementaux. On a eu 7 dépressions, 4 en anticyclone. On a choisi sur certaines dépressions de tester le bateau. Donc on a été dans des tempêtes jusqu'à 120 km/h de vent et 7 à 8 mètres de vagues qui déferlaient. Et le bateau a très très bien tenu. On va progressivement développer des deux côtés de l'Atlantique un réseau de transformation et on va également progressivement coupler tous ces sites à un navire cargo, puis un deuxième à voile évidemment toujours, un troisième à quatrième pour que toute cette flotte de navires puisse alimenter les différents sites de manière mutualisée.